Steinberg, comment allez-vous? Chut, Yvette, monsieur Georges. Tu veux que les bosses m'arrêtent? Tu serais bien avancé sans travail. Ils disent que cette nuit, ça a encore pété. Et dans notre quartier. Ah, il paraît que les Américains vont débarquer. Ils s'entraînent en Virginie. C'est joli comme nom. Tu sais où c'est? Non. Mais j'espère qu'ils savent où est la France. Que Dieu t'entende, ma petite. Oui, que Dieu nous entende. Tu peux laisser ton sac ici, tu sais, personne n'y touchera. Faire un bandage propre demain. Y a quelqu'un d'autre ici? Oui, mon patron. Monsieur Georges. Steinberg. Je lui ai rien dit. Et les autres, mes amis? Je sais pas. Mais les Allemands vous cherchent partout. Faut que je sorte. Non mais... Attendez! Restez ici! Vous en avez assez fait. Faut que je retrouve mes compagnons. Mais vous avez de la famille, quelqu'un pour vous cacher? Ne vous inquiétez pas, je me débrouille avant de vous rencontrer. Oui, j'ai de la famille, mes compagnons. J'aurais pu vous aider. Vous croyez dans un de vos films? C'est la guerre. S'ils me trouvent ici, ils vous tueront. Oui, c'est la guerre, je le sais. Mais vous êtes seul maintenant et vos amis sont morts. Vous avez tué des Allemands hier soir, et maintenant ils veulent votre peau. Puis regardez-vous. Restez ici. Je vous soignerai. Je m'appelle Yvette. Thank you.
l'air de s'infecter. Vous avez pu dormir un peu cette nuit? Oui, ce matin. C'est la première fois que je soigne un héros. J'aurais enfin fait quelque chose d'utile pour mon pays. Ma mère dit que si tout le monde se battait, on les mettrait dehors en 15 jours. Qu'est-ce qu'elle dirait, votre mère, si elle savait ce que vous faites? Ma mère, je sais pas, mais mon père me flanquerait une raclée. Et contre la résistance? Non, il est contre les résistants à moitié nus. Je sais qui vous êtes. Mon frère vous a vu boxer l'an dernier, à 7. Vous avez déjà perdu un combat? Ça doit être excitant. Non. Le film de ce soir était très émouvant. Moi, j'ai aimé la fin. J'aime quand les histoires se finissent par un baiser. Mais vous avez dû tout voir à l'envers. Vous voulez un miroir? Non, ça va, merci. Toutes ces histoires à l'eau de rose, ça me donne mal à la tête. Vous n'êtes jamais allé au cinéma? Attention. Et puis arrêtez avec votre film, j'ai passé l'âge, moi. Ils sont pas tous idiots, vous savez. Voilà. Vous devriez guérir rapidement maintenant. Il est parti. Vous avez les nouvelles? Oui. Alors. Edith Piaf triomphe sur les planches dans Le Bel Indifférent. C'est une pièce de Monsieur Cocteau. Oh, j'aimerais tant la voir jouer. Je la connais, vous savez. Elle est venue chanter ici, quand je débutais comme ouvreuse. Ah, elle est tellement gentille. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Elle m'a même donné une plaque de chocolat, vous vous rendez compte? Voilà. Les Alliés débarquent en Sicile. Jean Moulin est mort. Thank you.
Charlie Chaplin. Il est tard, je dois y aller. Bonne nuit, André. Bonne nuit. Et pourquoi? Parce qu'on nous craint. Ils savent que si on jouait la comédie ici, ils n'auraient plus qu'à mettre la clé sous la porte. Les autres, les beaux, les grands, les nobles théâtres. Chez eux, le public s'ennuie à crever. Ils endorment leur public. Avec leurs pièces de musée, leurs tragédies antiquaires et leurs malheureuses comédies en développe, ils s'égosillent sans bouger. Tandis qu'ici, au funambule, c'est vivant, ça saute, ça remue. La féerie, quoi. Apparition, disparition. Exactement comme dans la vie. Et puis, bam, la savate. Bam, le bâton. Comme dans la vie. Et quel public. Il est pauvre, bien sûr, mais il est en or, mon public. Tenez, regardez-les là-haut. Au paradis. Mon paradis. Petite, est-ce que t'es partie tout à l'heure? Ah, lâchez-moi! Quoi ça? Du marché noir? Lâchez-moi, je préviens mon patron! Arrêtez, s'il vous plaît! Si je peux appeler quelqu'un, mais on peut s'arranger entre Français. Lâche-moi! Pousse-toi.